Bonjour Tizot, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de la ch'ti du DPI. Il y a juste ceux qui arrivent à finir sur la candie. Nous sommes le vendredi 31 juillet, j'allais dire janvier, mais non. Juillet. Et je vais faire un petit bout avec vous. Après, je continuerai seul et je vous reprendrai après pour la fin. Voilà. De la candie. Je vais vous parler un peu de moi. Il y a des nouvelles abonnées qui ne me connaissent pas vraiment. Alors, je, même pour vous, mes abonnés, hein, pour tous mes abonnés, mes nouveaux abonnés aussi, que je remercie de vous avoir abonné à ma chaîne. Alors, moi, c'est Sandrine. J'ai commencé le Diamond Painting en juin 2018. J'en ai fait pas mal parce que je prenais toutes mes toiles sur Wish. Après, je vous ferai une vidéo des toiles que j'ai fait quand j'ai commencé. Je vous ferai voir parce que j'ai fait d'autres toiles et puis moi j'en ai fait pour les amis, pour les enfants. Alors, vous ne verrez pas tout. Mes toiles, je les mets pas en cadre, je les mets sur le mur comme ça, avec de la pâte à fixe collée au mur. Voilà. J'ai commencé ma chaîne YouTube, il y a à peu près, je devais être, je sais plus, voilà. Faudrait que j'aille voir la date, je sais plus vraiment. Bon, je préfère pas vous dire. Ah, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. C'est vrai qu'il fait lourd, hein, il fait chaud. J'ai pas un poil de sec sur moi, pas un seul poil. Oh, je transpire, je transpire, je transpire. On a beau à mettre le ventilo, mais il fait vraiment chaud. Alors, je crois que c'est tout le monde pareil, hein. La France est sous le soleil, hein. Mais bon, on va pas trop se plaindre, parce que quand il pleut, on n'est pas content non plus. Alors, voilà. J'ai fait ma chaîne et puis je l'avais arrêtée. Et puis je l'ai reprise là, il y a quoi, au mois d'avril, je crois. Avril ou, oui, je crois. Mars-avril. Et maintenant, bah, je ne sais plus m'en passer. Je ne peux plus me passer de vous faire des vidéos. Et je pense que j'en ferai de plus en plus. Hein. Je vais filmer un peu plus. Que j'en faisais une. Il y en a eu beaucoup par rapport au unboxing. Bon, bah, parce que là, j'en avais commandé pas mal. Et là, maintenant, c'est vrai que depuis que j'ai reçu presque toutes mes toiles, j'en ai encore reçu une ce matin que j'avais commandée il y a à peu près 3 mois. Je les avais commandées début avril. Et je viens d'en recevoir une, il m'en manquait encore. Mais bon, voilà. Hein. Après, je vais attaquer une Gorgeous que je dois finir avant le 9 juillet pour ma nièce. Et après, je me mettrai je vous ai mis sur Facebook. Ah oui, mon Facebook, moi, c'est Diamond Painting de Sandrine. Alors, c'est pour ça, le nom de ma chaîne YouTube et mon nom de Facebook n'est pas du tout le même. Et puis j'ai mis 3 photos. J'ai mis Charlie Chaplin, Mickey avec Dali, Salvatore Dali, et j'ai mis le tournesol. Pour l'instant, c'est Dali qui gagne. Alors, pour ceux qui voulaient, parce que Charlie, bah, il y a 20, moi je suis à. Attends, je regarde, je ne dis pas de bêtises parce que je note. Hop là. Alors, Charlie, il a 19 votes. Le tournesol en a 10. Et Mickey, parce que moi j'ai marqué Mickey. Dali, il y en a 31. Il y a 30, 31, 31 votes pour Mickey. Voilà. Alors je l'ai mis mercredi et la reprendrai. Je commencerai sûrement mercredi. Je laisse une semaine pour que les gens puissent continuer à voter s'ils ne l'ont pas vu.
Voilà. Et j'attaquerai. Ben, normalement, ça va être Dali, hein, avec Mickey qui va gagner. Hein, parce que c'est bien parti pour. Alors, ben, moi, je suis né à Lille. Nous avons vécu à Lille, j'avais 3 ans qu'on est parti sur Nice, dans le vieux Nice. Et nous sommes remontés dans le nord, j'avais 7 ans. On a vécu 4 ans à Nice. Bon, j'ai des petits souvenirs, mais bon, voilà, il y a des périodes où je voudrais oublier. Il y a une période que je voudrais oublier ce passage. Mais bon, voilà, c'est des choses qui marquent, hein, il y a des choses qui marquent dans la vie. Ça n'a pas été tout rose dans ma jeunesse, pas du tout. Voilà. Après, je suis resté dans le nord jusqu'à l'âge de 33 ans. Là aussi, il y a eu des gros. Je suis parti vivre du côté de chez ma soeur, au côté de Melun, dans la banlieue parisienne. J'ai dû quitter le nord. Après, j'ai vécu 5 ans. Là, j'ai. Dans la région parisienne, là, j'ai. Dans la banlieue parisienne, j'ai connu mon deuxième mari. Et puis là maintenant, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. On ne se quitte plus. Il n'y a pas eu 34 ans, quoi dire 34 ans pour avoir vraiment du bonheur. Voilà. Mais bon, la vie est faite ainsi. Si on savait d'avance ce qui allait nous arriver, eh ben on ne vivrait pas de la même façon. Et je sais pas si ça nous aiderait. Après, ben, je suis arrivé ici en Loire-Atlantique, hein, entre Saint-Brévin, pour ceux qui connaissent plus Saint-Brévin. Et je suis entre Saint-Brévin et Arbol. Et puis, je repartirai pas dans le nord. Hein. Non, 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 non. Je suis trop bien ici. On a le climat. On est, bon, on va pas dire qu'il fait chaud comme dans le sud, hein, mais on a un beau climat. Bon, j'ai encore toute ma famille là-haut. Hein. J'ai ma soeur, j'ai mon père. Chez mon frère, chez mon autre soeur, ben, elle qui est restée sur Melun. Mais j'ai des amis qui sont aussi là-haut. J'ai bon, voilà, j'ai ma vie là-haut hein, quand même. Hein. Bon, on essaye de monter une à deux fois par an. Ou si c'est pas nous, ben c'est eux. Comme là, on les a pas vus depuis Noël. Et ils viennent pour le mois d'août passer 15 jours. Ils ont loué dans un camping. À la Courance, à Saint-Brévin. Voilà. À mon père, avec ma belle-mère, qui vont venir avec ma soeur, avec mon beau-frère, on dirait ses deux enfants. Voilà, on a trois, mais là, on a un grand. Lui, il suit plus du tout, hein. Il y a 22 ans. Alors, il suit plus papa et maman, là. Je comprends, moi aussi, hein, j'ai des enfants. J'en ai un de 30 ans, un de 28 ans, et le petit dernier qui a 18 ans, qui est de Dorian, qui a 18 ans, et de mon deuxième mariage. Mes deux premiers étaient du premier mariage. Bon, je pense que vous avez dû comprendre. Ah, j'ai chaud. Comme je disais tout à l'heure, j'ai plus un poil de sec. Voilà. Et là, je suis en train de faire les chi. J'ai oublié de vous le dire. J'ai le vent qui gargouille. Mais bon, j'aime bien de faire ce que je fais, quoi. Là, le diamond painting, c'est une thérapie pour moi. Une très grosse thérapie. Voilà. Oh, on a sonné, je vous mets sur pause. Bon, voilà, c'était des amis. J'ai dû venir arrêter la vidéo parce que ils sont restés un peu plus longtemps que prévu. Et bon, voilà quoi. Alors là, j'ai continué après. Hein, voilà, ma candidature est terminée.
Là, je vais attaquer 2-3 nœuds là qui manquent. Voilà. Puis voilà, ce sera terminé. Après, bah, je vous ferai voir l'ensemble, hein, puis de ce que je vais continuer, que j'avais commencé une toile et que je n'avais pas fini. Alors là, c'est bon. Là, on va faire les U qui se trouvent ici. Là, j'ai déjà rangé toutes mes perles. Alors, je sais pas où est-ce que j'en étais. J'ai pas visionné la vidéo. Je sais plus où est-ce que j'en étais. Bon, bah tant pis. On verra pour une prochaine vidéo. Parce que là, quand j'ai bientôt fini, ça ne va pas durer un quart d'heure. Un petit peu encore. Voilà. Les U sont finis. Sa bouche est terminée. Et là, ici, j'ai les. Ici, un peu à faire. Voilà. Voilà, ça y est, Candy est terminé. Bon, ben je mets tout en place et je vous fais voir la petite Candy. Bon, ben la boîte est voilà, terminée. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Et elle brille. Bon ben voilà, sur ce, je vais vous laisser. Si vous avez aimé cette vidéo, ben likez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Merci à tous. Bisous.